Quel est le travail pertinent que je réalisais dans ces lectures des champs magnétiques, sinon lire dans les mémoires akashiques? Tous les êtres humains sur cette terre sont entourés d'un champ magnétique qui est à la fois relié à la terre, par conséquent exotérique, et à la fois ésotérique, multidimensionnel. Il vous relie à l'univers ou à la conscience universelle. Ce champ magnétique a été décrit par le terme Merkaba, décrit dans mon livre, dont la racine RKB signifie enjamber, chevaucher. Ces champs qui vous entourent et qui vous accompagnent et qui vous portent toute votre vie. Il y a de nombreuses informations et aujourd'hui, il y a des outils comme par exemple scintigraphie, scanner, le logiciel Aura Video Station, a été élaboré par des ingénieurs informaticiens. Nous pouvons capter les champs subtils, les enregistrer, voir en direct la pression des chakras ou roues d'énergie, mesurer l'état de stress, voir la naissance de certaines pathologies. Il peut enregistrer à temps réel les champs vibratoires. Nous sommes à peu près sûrs que d'ici 10 à 15 ans, tous les hôpitaux français posséderont un appareil électromagnétique pour explorer les champs magnétiques et ceci permettra de faire des diagnostics médicaux comme on peut déjà le voir dans certains pays d'Europe et conduit par des médecins. L'objectif de l'incarnation et de les enraciner à la Mère Terre, en fait de devenir des témoins spirituels ou des maîtres incarnés. Lorsque nous pratiquons ces lectures guidées par notre intuition, nous pouvons voir le présent, le passé, le futur, en tout cas dans un esprit de création. Et il est possible que nous soyons en contact avec toutes les planètes qui tournent autour du Soleil, y compris les constellations les plus éloignées avec qui nous pouvons échanger, voir, recevoir des enseignements, nous aidant à nous élever à la conscience universelle, voire peut-être plus encore. Ceci expliquerait de façon pragmatique la clairvoyance, la clairaudience, le clair-ressenti. Pour les êtres parfaitement alignés, je pense que les êtres intergalactiques ou les intelligences supérieures rentrent en contact avec nous sous forme de transe ou spontanément pour celles ou ceux qui sont suffisamment alignés et avancés avec la conscience pure universelle. J'aimerais parler du plan mental car en ce jour, nous avons une approche plutôt péjorative. Aussi, je me suis penchée sur le livre Un traité de feu cosmique de Alice Bailey, 1800-1949. De la deuxième sous-race s'est développé l'individualisme et la prise de conscience de soi. Cette étude sera vue avec les vidéos Honorez-vous déesse. Et cette prise de conscience ne peut apparaître que lorsque le principe du mental est présent. Un sage hindou dit « Émerge le sens du moi séparé et de l'ego ». Et si nous devons regarder la différence entre un sage et un homme ordinaire, le sage a maîtrisé son mental et illuminé en fusionnant avec son âme. En ce jour, même si le sujet est bien éduqué, il utilise un mental à faible pourcentage de ses possibilités. En ce qui concerne le supramental, Sri Aurobindo en parle très savamment dans ses nombreux ouvrages. Sri Aurobindo, né à Calcutta, est mort à Pondichéry. C'est un philosophe, poète et écrivain, spiritualiste, qui a développé une approche nouvelle du yoga. Hygiène du corps. Si d'après Bruce Lipton, célèbre biologiste américain, les gènes n'influencent pas sur la santé, mais sur l'environnement, alors nous allons définir et analyser l'importance où l'on vit. Quant au lieu, l'environnement qui contrôle les gènes. Lieu de vie.
Observez votre environnement où vous vivez. Quelle image vous renvoie votre lieu de résidence? Ce que vous mangez, la diététique que vous appliquez, végétarien, végétalien, vegan, ou avez-vous diminué votre temps de repas, prendre par exemple un repas par jour? Où vous vivez-vous de prana? Quelle est votre activité physique? Le sport, la marche, le yoga? En termes de communication, votre comportement relationnel, psychologique, communicatif. Décrivez l'endroit où vous vivez. Est-il grand, spacieux, agréable, ensoleillé, clair? Êtes-vous à votre ménage? Souvent. Avez-vous des plantes, des fleurs, des animaux? Est-ce que vous vous en occupez? Quelles sont les couleurs qui dominent dans votre domicile? Quels sont vos endroits préférés? Quels sont les endroits que vous n'aimez pas? Quelle est l'odeur de votre logement? Utilisez-vous de l'encens? Aimez-vous rentrer chez vous? Restez chez vous dans votre intérieur? Aimez-vous être seul, même si vous vivez en couple avec des enfants? Disposez-vous un endroit où votre énergie est posée? Y a-t-il une différence entre votre logement des autres pièces et votre endroit préféré? Avez-vous installé et où avez-vous posé, enraciné votre énergie? Quelle est la pièce la plus importante de votre domicile? Le salon, la salle du séjour, la chambre à coucher? Qu'est-ce qui occupe le plus de place dans votre maison? Les livres? De différents auteurs? Ou des auteurs bien précis? Où sont vos propres documents? Utilisez-vous les huiles essentielles pour prévenir ou guérir? Votre logement ou l'espace où vous vivez recevez le plus? Les diffusez-vous afin d'y poser une certaine sérénité? Si oui, lesquelles? Sinon, pourquoi? Diététique. Comment se déroule votre petit déjeuner? Et pour les déjeuners, que mangez-vous? Que buvez-vous? Est-ce que vous prenez du temps? Est-ce que vous posez seul ou entre amis? Est-ce que vous avez la conscience de votre respiration? Combien faites-vous de repas par jour? Quels sont vos aliments favoris? Quels sont les aliments ou légumes que vous ne mangez jamais? Avez-vous de l'appétit quand vous mettez à table? Avez-vous de l'appétit quand vous êtes seul? Avez-vous de l'appétit quand vous êtes accompagné? Le sommeil. Est-ce que vous dormez bien? Quelle est la durée du sommeil? Quelle est sa qualité? Comment êtes-vous installé dans votre vie? Est-ce que vous vous endormez sans difficulté? Est-ce que votre lit a un matelas dur ou agréable? Est-ce que la pièce est claire et ensoleillée? Les vêtements. Quelles sont les couleurs que vous portez le plus? Quand vous vous regardez dans un miroir, que ressentez-vous à propos de qui regarde qui? Les amis. Ont-ils de l'importance dans votre vie? En avez-vous beaucoup? Y a-t-il des comédies ou des scènes de théâtre dans votre vie? Avez-vous des ennemis? Des relations inachevées? Soyez réaliste, pratique, pragmatique. Comment mettre de l'ordre dans votre vie? La douceur, la persévérance, la tolérance, l'accueil de soi est primordial. La conscience est de rigueur. Que chaque acte soit une expression et une réflexion de vous-même. Ayez le sens de l'esthétique ou faites appel au feng shui. Choisissez toujours des couleurs qui expriment votre intériorité, la pureté et la beauté. Plus vous avancez dans cette recherche profonde et plus vous irez vers votre épanouissement éclatant. Il y a des substances qui altèrent l'énergie. Il y en a d'autres qui peuvent être mortelles. Le tabac, la viande, l'alcool,
les drogues, toutes les fibres artificielles, la musique bruyante, les films violents, les pièces et les meubles sombres, par exemple dans les châteaux, les odeurs de pornographie, les couleurs foncées, des excès alimentaires, entretenir un grief ou des griefs, s'allonger ou dormir avec des êtres non adéquats. Il faut savoir dire non et il faut savoir dire oui. La conscience commence ainsi. L'amour authentique, le vrai, le profond, celui qui vibre universellement dans vos cellules, exige une force, une individualité et une énorme intégrité personnelle. Il y a beaucoup à travers le monde des maîtres spirituels, des guides, des conseillers ou tout simplement ce que l'on appelle des gourous. Ils sont là pour vous réveiller, nous conseiller et nous permettre de trouver notre indépendance et intégrité totale. L'amour vrai a besoin de discernement. C'est une dure école et c'est une rude expérience car elle exige sans arrêt d'être consciente et de faire des choix. C'est le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Pratiquez-vous le silence ou effectuez-vous des retraites de silence? Voilà 5 ans que j'expérimente le silence. Je vis à la campagne, dans une forêt, où les animaux sauvages peuvent se présenter autour sans risque. J'ai beaucoup expérimenté, soit au niveau voyage, ou rencontre des guides, des maîtres spirituels, à travers le monde, ou des chamans, de maintes civilisations, de traditions anciennes. J'ai reçu personnellement maintes initiations par ces 10 guides, ainsi que des yogis, que ce soit au niveau du Kriya Yoga de Babaji et les 144 Kriyas. J'ai travaillé pendant 7 ans auprès d'un yogi tout en réalisant les séminaires français et internationaux. Mais aujourd'hui, j'ai compris que la simplicité dans tous les domaines, y compris spirituels, était véritablement l'initiation recherchée. Prendre conscience de ce que vous faites est le premier pas vers la protection de ce que vous êtes. Cela englobe le physique, prendre soin qui va inclure le respect de soi. Nous cherchons le pouvoir sur l'autre et c'est un des pièges le plus courant. Et je l'ai bien souvent rencontré dans ma profession d'infirmière. Être conscient et amener celui qui est souffrant à son indépendance. Le dialogue avec l'énergie du cœur et l'intuition naturelle est au service de l'esprit. Choisir ses relations, vous regardez celui qui est en face, vous renvoie en miroir. J'ai toujours pensé que nous n'avions pas besoin d'aucune technique de protection, mais d'un nettoyage quotidien des champs magnétiques. Vous pouvez choisir la voie du milieu, la voie du Bouddha, la voie de Joshua ou la voie des maîtres ou des yogis. La méditation quotidienne est la voie royale. Le chant des mantras aussi. Il n'y a plus de croyance, mais une authenticité, une richesse de cœur, une compassion qui se met en place peu à peu. N'émettez pas de jugement. Nous allons faire une méditation sur les 12 aspects de la maîtrise. Vous prenez une profonde inspiration et une profonde expiration 3 fois tranquillement. Vous êtes la maîtrise totale. Dégagez-vous de ce jeu qui accuse. Développons l'auto-souveraineté. L'autonomie. La discipline, la
l'amour envers soi, l'intégrité spirituelle, l'appréciation, la patience, la gentillesse, la transformation, la coopération et la diplomatie, et évidemment, le bon sens.